C'est le moment de la période des questions. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Pendant cette période pré-budgétaire, on a essayé de vous dire que vos politiques fiscales et d'électricité sont dangereuses. Malheureusement, il semble que vous ne comprenez pas. Je sais que vous avez assez de personnel, qu'à chaque appel à votre bureau est vérifié par des gens, d'autres gens. Nous, c'est nous-mêmes qui répondons. Il y a beaucoup de concitoyens qui sont dans des situations désespérées où toutes les factures augmentent même si le revenu reste le même. Mais il semble que vous ne comprenez pas. Beaucoup de gens se demandent comment ils vont payer la facture d'électricité et qu'est-ce qu'ils feront dans 5 ans quand les factures vont doubler encore une fois suite à vos mauvaises politiques en électricité. Réponse de la Première ministre. Je remercie le député de la question. Il sait très bien qu'on a travaillé beaucoup pour réinvestir et rebâtir le système d'électricité de cette province, le réseau. Et ce réseau, quand nous sommes arrivés au pouvoir, avait été négligé, avait une dégradation énorme, n'était pas fiable, et on a été obligé de faire des investissements. 10 000 kilomètres de lignes de distribution ont été rebâties, juste pour donner un exemple. Le fait est que ça a coûté de l'argent, mais l'héritage du parti d'en face, c'est qu'ils avaient laissé abandonner ce système électrique plutôt. On a fait des investissements et on a reconnu qu'il fallait avoir du soutien pour les gens qui avaient besoin d'aide. J'espère, comme la députée d'en face répond au courriel, qu'il sache qu'il y a des programmes et je vais continuer à la question complémentaire. Elle ignore les 50 milliards de dollars d'ajustement global que les gens payent. Vous ignorez la dette de 27 milliards de dollars de la société et financière qui n'existe pas. Votre mentalité ne va pas disparaître, le problème. Les tarifs d'électricité ont augmenté depuis que vous êtes arrivé au pouvoir. Cela va juste rendre pire les choses avec votre vente d'Hydro One. 60% d'Hydro One, si vous le vendez, ça va vous limiter dans la vente des dettes. Ça va mener à des tarifs d'électricité plus élevés, même plus élevés que ça, que votre planification de 42%. Je vous pose la question, allez-vous suivre la loi et utiliser les produits de cette vente pour payer la dette de l'électricité? Réponse de la Première ministre. Dans la question complémentaire, d'aller là où il voulait. Il ne pense pas qu'on devrait prendre des décisions difficiles, nécessaires pour investir dans l'infrastructure de la province, c'est essentiellement ce qu'il disait. Mais je vais revenir à la question des gens qui ont besoin de soutien. Il sait très bien, peu importe ce qu'on fait quant à l'Hydro One, la Commission de l'énergie de l'Ontario va établir les tarifs. Ils ont établi ces tarifs, la Commission, depuis longtemps, ils vont continuer. Mais dans cette réalité, on sait qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Par exemple, le programme d'aide aux gens de faible revenu donne des soutiens d'urgence aux familles particulières qui ont des problèmes. Le programme d'épargne à la maison aide les consommateurs en aidant l'efficacité chez eux. Le fait est qu'on reconnaît qu'il y a des soutiens nécessaires, on a des programmes en place, mais on va continuer à investir dans l'infrastructure, Monsieur le Président. Merci. Question complémentaire finale. Ces programmes, c'est juste des distractions pour que les gens ne voient pas le désastre que vous avez créé. Vos annonces de vente d'Hydro One démontrent que vous n'avez pas de plan pour protéger les consommateurs dans notre plan. Vous avez juste des objectifs et vous rendez les choses encore pires pour les consommateurs. Vous ignorez le grand éléphant. Quand les tarifs augmentent, l'Ontario est moins concurrentiel et les usines et les entreprises vont ailleurs, là où ils payent moins. Mais c'est les consommateurs qui ont bâti ces actifs comme Hydro One. Et ce sont eux qui ont besoin d'aide maintenant. Vous êtes déterminés à doubler vos politiques désastreuses. Combien de plus que les consommateurs seront obligés de souffrir avant que vous donniez un vrai allègement à ces gens, une aide à ces gens-là? La Première ministre,
Monsieur le Président. Vous savez, l'éléphant qui était dans la salle quand ces partis étaient au pouvoir, qu'il fallait investir dans le réseau d'électricité, l'investissement pour les infrastructures. Aucune de ces choses-là, l'opposition l'a fait quand ils étaient au pouvoir. Interruption du Président. Un peu de l'argent, de bruit que j'entends, pardon, viennent des gens qui ne sont pas à leur propre siège. Veuillez terminer, s'il vous plaît. Et le député d'en face ne s'est pas engagé à faire cela et nous, on fait des investissements. Mais je vais continuer à m'assurer que le député d'en face comprend les programmes qui existent. Parce que si sa préoccupation, c'est pour les gens qui ont des difficultés, il va vouloir savoir quels sont les programmes qui existent. Et il y a aussi la prestation pour l'énergie propre, pour les consommateurs résidentiels et les petites entreprises. Le nouveau programme de soutien pour l'électricité sera en effet quand la commission de l'énergie, quand l'autre arrêtera, et ça va aider les gens à faible revenu. Et j'espère qu'il le sait et qu'il va le dire à ses concitoyens. Arrêtez la pendule. On m'a donné une note. Je vous demande votre indulgence. Il y a un autre invité, Loris Rousseau, dans la tribune, qui a été victime d'une activité criminelle. On voulait lui souhaiter la bienvenue. Excusez-moi. Je pensais que c'était important. Nouvelle question, la députée de Nepean-Carlton. Merci, Monsieur le Président. Et je pense que c'était important de reconnaître cette personne. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le 20 avril, quant au tarif, vous avez dit le suivant. La façon comment la Commission de l'énergie de l'Ontario établit les tarifs, c'est ce comment on a fait et continueront à être, les protections seront là. Mais cette même journée, la Commission a annoncé une augmentation de 15 % et les consommateurs vont payer le double dans les heures de grande consommation. Ma définition de protection du consommateur est très différente de celle de la Première ministre. Les tarifs vont augmenter si on vend Hydro One. Est-ce que la Première ministre va dire à cette Assemblée législative tout de suite ce que ça vend d'Hydro One? Interruption du Président. Veuillez terminer. Est-ce que la Première ministre va nous dire en ce moment ce que sa vente d'Hydro One va coûter aux consommateurs de l'Ontario et aux familles ontariennes et aux aînés ontariens? Réponse la Première ministre, merci. Je pense que la députée d'en face a déjà soulevé un point que je voulais soulever. C'est des choses qui ne sont pas reliées. Le fait est que la Commission de l'énergie de l'Ontario a établi les tarifs et nous avons eu un plan énergétique à long terme et on avait une prévision des tarifs dans ce plan-là. Interruption du Président, ça va dans les deux sens. Les tarifs annoncés par la Commission de l'énergie de l'Ontario sont plus faibles que ceux qui étaient annoncés dans le plan énergétique à long terme. Le fait est qu'on travaille pour enlever l'incertitude. La députée d'en face dit qu'il n'y a pas de prix, mais oui, on veut avoir de l'économie de l'électricité et je sais que le parti d'en face n'a pas aucun intérêt quant au programme d'économie, des questions environnementales et il ne veut pas réduire les émissions à gaz à effet de serre, ça ne les intéresse pas. Et on veut avoir un écart entre les périodes du pic et les périodes de faible consommation. Le député de Renfrew, s'il vous plaît, je suis un peu en retard. Et le député de Prince Edward Hastings, la deuxième fois. Question complémentaire.
Cette réponse n'était même pas rationnelle. Et la première ministre le sait parce qu'ils ont changé le programme et le plan d'énergie énergétique à long terme à plusieurs reprises. Et la vente d'hydrogène n'était pas là, n'était même pas dans le programme électoral. Les tarifs d'électricité ont triplé trois fois depuis que son parti est arrivé au pouvoir. La Commission de l'énergie de l'Ontario continue à augmenter les tarifs et vont continuer parce qu'il faut payer des expériences très chères de ce gouvernement, soit dans les éoliennes, les compteurs intelligents qui sont des machines à taxer. Pourquoi, à un moment où le gouvernement de Stephen Harper rend les choses plus faciles pour les familles ontariennes, pour qu'ils puissent survivre, ce gouvernement le rend plus difficile? Allez-vous asseoir, s'il vous plaît. Député d'Eglinton-Lawrence, à l'ordre. Start the clock. Recommencez la pendule. Premier. La Première ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La députée de l'autre côté n'a pas pu garder un visage calme. La députée de Renfrew-Nipissing-Pembroke à l'ordre. La prochaine fois, ce sera un avertissement. Monsieur le Président, même la députée de l'autre côté n'a pas pu s'empêcher de rire en posant cette question. Le budget fédéral, le gouvernement fédéral a pris des décisions pour des raisons politiques. Si ça va bien, si vous avez de l'argent, on vous aidera. Mais ils ne se sont pas attaqués aux problèmes auxquels font face toutes les provinces dans ce pays. La dette, le déséquilibre fiscal, les communautés dans ce pays qui disent que nous allons travailler pour s'assurer d'avoir un avenir économique et nous allons vous soutenir dans votre développement économique. Ils n'ont rien fait de cela. Ils n'ont dit qu'aux riches qu'ils allaient les aider à être encore plus riches. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La procureure générale, plutôt, à l'ordre, s'il vous plaît. Je ne suis pas certain qui a dit cela, mais j'apprécierais si le député se levait et retirait ses propos. Je ne demande pas ici qu'on donne son opinion. Complémentaire final. Merci. Oui, c'est difficile de ne pas rire parce que nous serons embarrassés par le budget de cet après-midi à 4 heures. Mais retournons au point principal ici. La Première ministre a admis cette semaine que les taux d'électricité après la vente d'hydrogène vont augmenter. Intervention du président. Le ministre des Affaires gouvernementales et des services aux consommateurs à l'ordre. Continuez. Merci, Monsieur le Président. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. On n'a pas pu garantir que les taux d'électricité ne vont pas monter. Et comme Dalton McGuinty l'a déjà dit, La meilleure façon de prédire le comportement futur, c'est de regarder le comportement dans le passé. Les taux ont triplé depuis que vous êtes au pouvoir.
On est passé à 100 $ par famille dans cette province. Et cette semaine, on a annoncé que les taux allaient augmenter encore de 15 % en mai. Est-ce que la première ministre va nous dire combien sa vente d'Hydro One va coûter aux familles de l'Ontario qui ont des difficultés à joindre les deux bouts sous son gouvernement? Intervention du président, veuillez vous asseoir. Merci, la première ministre. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, dans le budget que nous allons déposer, ce sera un budget responsable qui est basé sur notre plateforme électorale. Nous nous sommes engagés dans des investissements dans cette province. Cela inclut de revoir les actifs. Nous l'avons fait pour pouvoir investir en transport en commun, dans les routes et les ponts dans cette province. Vous savez, le parti de l'autre côté, lorsqu'il était au pouvoir, a eu l'occasion de s'attaquer à ces grands problèmes, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont négligé le système électrique et, oui, ils ont travaillé à équilibrer le budget. La façon de le faire a été semblable à ce que M. Harper a fait. Ils ont équilibré leur budget sur le dos des municipalités. Ils ont passé les coûts aux municipalités. Nous avons décidé de prendre en charge ces coûts. Nous n'allons pas équilibrer notre budget sur le dos des municipalités. Mais c'est exactement ce que Stephen Harper a fait. Veuillez vous asseoir. Merci. Nouvelle question. Le député de Bramley-Gormal-Halton. Merci. Ma question est pour la première ministre. En avril dernier, la première ministre a promis aux Ontariens qu'elle n'allait pas faire des coupures en éducation. Eh bien, nous avons vu des écoles fermées, des professeurs qui perdent leur emploi. Et la semaine dernière, à Windsor, 21 éducateurs de la petite enfance ont perdu leur emploi. Les gens n'ont pas voté pour voir leurs professeurs perdre leur emploi et les écoles fermées. Est-ce que ce budget va renverser ces coupures? La première ministre, je sais que la ministre de l'Éducation va vouloir en parler, mais soyons clairs ici. Le financement pour l'éducation n'a pas été coupé et il ne sera pas. En fait, si le député de l'autre côté avait eu l'occasion de regarder le programme de bourse pour les étudiants qui en ont besoin, il verrait que malgré le fait qu'il y a moins d'étudiants dans notre système d'éducation, le financement est resté stable, ce qui veut dire qu'il y a plus d'argent par étudiant dans le système cette année comparé à l'an dernier. Complémentaire. Merci, M. le Président. En fait, la première ministre a également promis de ne pas faire des coupures en soins de santé. Et j'aimerais que la première ministre le dise aux 17 infirmières autorisées qui ont perdu leur emploi. Celles à Ottawa, à Thunder Bay, et les personnes âgées qui perdent des lits. Est-ce que le budget d'aujourd'hui va renverser ces coupures également? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Le député de l'autre côté et son groupe parlementaire sait très bien qu'il y a 24 000 infirmières de plus qu'il y a 10 ans et d'autres professionnels de la santé. Et la députée de Nicole Belt, hier, a fait peur aux gens. On disait que le centre de santé de Lake Ridge se débarrassait de 20 % de leurs technologues. Et en fait, c'est le contraire de ce qu'elle a dit. L'hôpital en question a été tellement irrité par sa réponse d'hier qu'ils vont écrire une lettre aujourd'hui pour corriger les faits. Et Monsieur le Président, J'espère avoir l'occasion, pendant la complémentaire, de parler de cela de façon plus spécifique. Complémentaire final. Merci, M. le Président. Les automobilistes en Ontario paient les coûts les plus élevés. Intervention du Président, j'aimerais avoir l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrer la pendule. Complémentaire final.
Les automobilistes en Ontario paient les taux d'assurance les plus élevés au Canada. La première ministre a dit aux Ontariens qu'il y aurait une réduction de 50 % des taux d'assurance d'ici le mois d'août. Mais après 4 mois, on n'en est pas encore là. La première ministre a promis de ne pas faire de coupures en soins de santé, mais nous avons vu des hôpitaux qui sont fermés et des infirmières qui perdent leur emploi. Elle a promis de ne pas couper en éducation, mais il y a des enseignants qui perdent leur emploi et des écoles qui sont fermées. Elle a promis de réduire les taux d'assurance de 50 % et nous ne l'avons pas vu. Intervention du président, arrêtez la pendule. Ministère associé à la santé et aux soins de longue durée, député de Newmarket-Aurora, c'est assez. Finissez, s'il vous plaît. La première ministre a promis qu'il y ait une réduction de 15 % des taux d'assurance. Est-ce qu'elle va s'assurer que les Ontariens verront la réduction qu'on leur a promis? Je suis préparée à passer d'un hôpital à l'autre si le député a dit que nous fermons des hôpitaux. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un seul hôpital qui ferme dans cette province. Monsieur le Président, pour revenir à l'hôpital de Lake Ridge, elle parlait de 3 personnes. L'hôpital a dit que les patients ne seront pas impactés. La technologie a changé. Il y aura maintenant des tests, des meilleurs tests, des meilleurs résultats, une meilleure qualité. Intervention du Président. J'aimerais entendre la réponse de votre côté et le député de Dufferin-Caledon à l'ordre. Le ministre des Affaires autochtones est averti. Ce n'est pas apprécié. Je remercie les députés pour la correction. C'est très utile. Nouvelle question. La députée de Kitchener-Waterloo. Merci. Ma question est pour la première ministre. Plusieurs Ontariens essaient encore de se souvenir quand ils ont voté pour vendre Hydro One. La première ministre a fait beaucoup de promesses, par exemple, un service à toutes les 15 minutes de Tringo vers Kitchener, mais elle n'a jamais rien dit sur la vente des avoirs publics les plus importants. Elle n'a jamais fait cette promesse. C'était une promesse de la révolution du bon sens. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que la première ministre brise ses promesses d'avoir un gouvernement progressiste? Mais pourquoi garde-t-elle une promesse de la révolution du bon sens? La première ministre, prendre des décisions comme les investissements en transport en commun et en infrastructure, ce sont des décisions très importantes. Il y aura des effets pendant des générations à venir. La députée de l'autre côté sait très bien que nous nous engageons à un système de tringo à toutes les 15 minutes dans les deux directions. Je sais que le ministre des Transports voudra en parler, mais nous devons négocier, nous devons nous assurer de pouvoir aller de l'avant. Nous avons parlé dans notre plateforme électorale d'investir en infrastructures, dans les routes et les ponts de cette province, et nous avons dit que nous allions revoir nos avoirs publics et que nous allions les utiliser. Le député de Dufferin-Caledon, vous êtes averti. Pour pouvoir investir dans des nouveaux avoirs. Et nous allons continuer à être propriétaires d'Hydro One. Mais nous allons nous assurer que les investissements nécessaires et que nous avons promis seront faits. Complémentaire pour la première ministre. Pendant les dernières années, les profits d'Hydro One ont augmenté, mais les taux d'intérêt ont réduit. Et pourtant, la première ministre pense qu'il faut mettre de côté ses profits et ne pas prendre avantage de ses taux d'intérêt bas. Le gouvernement pense qu'ils vont sauver de l'argent, mais les Ontariens vont perdre 2 $ de profit. Est-ce que la première ministre se rend compte que 2 est un chiffre plus élevé que 1? La première ministre. Monsieur le Président, ce qu'on sait, c'est que contrairement à ce que le troisième parti aimerait suggérer, on ne peut pas continuer à toujours emprunter pour faire ces investissements. À un certain moment, il faudra
avoir l'argent en main pour pouvoir... Intervention du président. Terminez, s'il vous plaît. Le fait est que nous avions une plateforme qui disait que nous allions investir là où c'était nécessaire. Cela veut dire le transport en commun, les routes et les ponts dans la grande région de Toronto et d'Hamilton et à l'extérieur également. Nous savons que les entreprises veulent venir en Ontario, mais elles ne viendront pas si nous n'avons pas l'instructure qui va leur aider à être compétitives au 21e siècle. C'est pourquoi nous faisons ces investissements. Complémentaire final à la Première ministre. La Première ministre, la vente de feu de la Première ministre a donné des centaines de millions de dollars de profit annuel à Bay Street. Et lorsque vous les vendez, ces actifs, ils seront partis pour toujours. La Première ministre veut des PPP. La vérificatrice générale a dit que du 8 milliards de dollars que le gouvernement a gaspillé, 6,5 sont allés dans les poches de Bay Street. Le ministre du Développement économique, vous êtes averti. 6,5 milliards de ces dollars se sont rendus dans les poches de Bay Street. Le gouvernement va vendre Hydro One à Bay Street pour payer pour des PPP qui vont bénéficier à Bay Street. Quand est-ce que le gouvernement va décider à vendre la province de l'Ontario à Bay Street? La Première ministre. Ce que la députée de l'autre côté n'a pas mentionné, c'est qu'à cause de la stratégie de construction de l'infrastructure, nous avons sauvé 8 milliards de dollars. Et j'aimerais être claire ici. Le parti de l'autre côté n'a pas dit de façon claire. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, vous êtes averti. Je crois qu'il y a un budget cet après-midi, donc si quelqu'un veut me tester, je vais nommer des noms. Le troisième parti n'a pas mentionné que dans le plan d'Ed Clark, il est très clair que le gouvernement va garder le contrôle. Notre gouvernement est très clair. Nous allons rester en contrôle. Nous allons être propriétaire de 40 % des actifs. Aucune autre entité ne pourra être propriétaire de plus de 10 % des actions. Ces protections sont mises en place. Nouvelle question, député de Simcoe-Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Les étudiants à Durham ne sont pas en classe. Cela fait 4 jours et j'ai reçu toutes sortes de lettres, d'appels téléphoniques et de courriels. Personne n'accepte votre excuse que ces grèves sont locales. Il n'y a pas de négociation au niveau local. Les étudiants à Sudbury vont devoir sortir des classes le 27 avril et le 4 mai dans la région de Peel. Est-ce que vous avez donné une explication cohérente ou est-ce que vous réalisez maintenant que la grève vient de mauvaise administration du gouvernement libéral pendant des années? La ministre de l'Éducation. Ce que j'ai pu dire pendant les derniers jours, c'est que à la table de négociation centrale, aux associations de conseils scolaires qui représentent les employeurs et le gouvernement représente les financiers et les syndicats représentent les enseignants. Nous sommes tous à la table. On continue de travailler et de négocier. Nous croyons tous que la façon de résoudre cette situation, ce sera d'avoir un accord collectif négocié. Personne ne veut que les étudiants manquent leurs cours. Nous croyons tous que les étudiants doivent retourner en classe aussi vite que possible. La façon de faire cela, c'est de négocier un accord collectif. Et c'est pourquoi nous travaillons ensemble au niveau central. Merci, complémentaire. Pour revenir à la ministre, il y aura des grèves à Sudbury et 11 jours plus tard à Peel.
Lorsque notre conseil scolaire connaît une grève, vous êtes surprise. Mais vous avez changé le système de négociation. Vous avez dit qu'il est clair que le gouvernement doit négocier. Et si c'est si clair pour vous, pourquoi est-ce que vous permettez aux étudiants de ne pas pouvoir suivre leurs cours? La ministre de l'Éducation. Le député de l'autre côté n'a pas les bonnes données. Les négociations sont en cours à Rainbow et à Peel. On a en fait demandé un médiateur du ministère du Travail. Mais je ne vais pas accepter de me faire dire comment nous avons administré l'éducation de la part du parti qui, dans sa plateforme électorale, a promis de mettre dehors 22 000 employés du domaine de l'éducation, incluant des milliers d'enseignants. C'est la façon dont ils croyaient qu'ils allaient administrer le système d'éducation. Et cela aurait amené des relations de travail extraordinaires si on aurait décidé de mettre tout le monde dehors. Pensez à la campagne de M. Hudak lorsqu'il était chef du parti pendant la campagne. Merci. Une autre question. J'aimerais, s'il vous plaît, vous rappeler que quand je me lève, vous vous asseyez, Monsieur le ministre. Merci, la députée de Welland. Merci. Dans ma circonscription, ainsi qu'à Welland, Hamilton et à Brant et Haldeman, des membres de la section locale du CEFPO sont en grève et malheureusement, eh bien, le gouvernement refuse de les écouter. Et c'est vraiment intéressant de voir que les casques, par exemple, sont impartis. Il s'agit maintenant d'un système à but lucratif et on voit très bien que ce système à but lucratif ne fonctionne pas dans le secteur des soins de santé. Il faut absolument changer ce système. Est-ce que la Première ministre était trop occupée à vendre nos biens provinciaux pour s'assurer de la dignité et du respect qui est dû aux professionnels des soins de santé? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Bien sûr, c'est très, très important pour ce gouvernement de respecter les travailleurs du secteur des soins de santé, les professionnels de la santé qui travaillent tous les jours dans l'intérêt des patients, qui font un travail tellement important dans notre système de soins à domicile et au sein de la collectivité, mais également dans le système hospitalier. Et c'est pourquoi il est vraiment important de montrer à ces professionnels que nous continuons d'investir dans ce secteur tellement important de notre économie. Nos investissements dans les soins à domicile cette année ont augmenté de 5 %. Il s'agit donc de 270 millions. C'est une augmentation de 270 millions et c'est vraiment absolument important d'investir dans ces secteurs, dans le secteur des soins au sein de la collectivité et des soins également à domicile. Nous avons donné une augmentation de 4 $ aux personnes préposées aux soins à la personne. Complémentaire, j'ai reçu un certain nombre de courriels de la part de professionnels des soins de santé qui sont en difficulté et de nombreux patients également. Et il s'agit d'une femme, par exemple, qui est immobile, qui ne peut pas se déplacer, qui ne peut pas bouger. Et grâce à ses professionnels de soins de santé, elle a pu quelque peu améliorer son état de santé. Mais s'il y a des compressions qui sont faites, malheureusement, on ne pourra plus l'aider. Et il s'agit de deniers publics, et ce sont des deniers qui devraient être dépensés pour financer les soins et non pour les mettre dans les poches de certaines entreprises. Il faut absolument que le processus de négociation collective soit respecté par le gouvernement dans ce secteur crucial des soins de santé, parce qu'il y a plus de 1 600 patients qui sont concernés dans ma circonscription, des patients comme la femme que je viens de citer, par exemple, le ministre. Alors, vous savez très bien que nous ne sommes pas les employeurs, dans ce cas bien précis, mais bien sûr, nous implorons les deux parties à ces négociations d'avoir des négociations fructueuses et respectueuses, et ce, dans l'intérêt de patients tels que cette femme dont vient de parler la députée d'en face. Et j'ai reçu un rapport concernant justement
ses soins à domicile et dans la collectivité. Et nous avons vraiment fait des investissements importants cette année de 5% l'année prochaine et l'année suivante également. Et donc, nous avons vraiment grandement augmenté le budget consacré à ces soins à domicile et à ces soins communautaires. Alors, nous ne sommes pas les employeurs, je le répète, mais nous implorons les deux parties à ces négociations de trouver une solution qui respecte les intérêts des deux parties. Merci, la députée de Kitchener Centre, pour une nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. En tant que députée de Kitchener Centre, je peux vous dire que les transports préoccupent grandement les habitants de ma circonscription. Et le gouvernement a décidé de tirer parti de la valeur des biens provinciaux pour pouvoir investir dans le secteur clé des transports dans notre province. Et Kathleen Wynne, notre première ministre, a annoncé récemment des plans concernant un réseau ferroviaire express dans ma région. Et donc, les gens de ma circonscription se demandent quels seront les avantages concrets de ces projets pour eux dans leur vie quotidienne. Est-ce que le ministre pourrait nous donner des détails concernant les avantages que retireront mes commettants de ces investissements en matière de transport de la part du gouvernement? Le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, le Président. J'aimerais vraiment remercier la députée de Kitchener de se faire la championne des intérêts de ses commettants. Et j'aimerais dire que notre gouvernement est en train d'investir à hauteur exceptionnelle dans les transports et les transports en commun, à hauteur de 13,5 milliards de dollars, très exactement, dans les réseaux ferroviaires de trains GO, par exemple. Il va y avoir... On va doubler le service pendant les heures de pointe et on va quadrupler le service pendant les heures creuses. Donc, c'est vraiment impressionnant. Il va y avoir plus de 10 fois le service actuel sur la ligne Kitchener-Toronto. Donc, il va vraiment y avoir des avantages concrets pour les habitants de cette région. Et nous allons continuer de travailler avec les chemins de fer nationaux qui sont propriétaires d'une partie de la ligne de Kitchener en cet effet. Merci. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre de sa réponse. C'est encourageant pour les gens de ma circonscription de savoir qu'il va y avoir, grâce au plan Faire progresser l'Ontario, davantage de services ferroviaires dans ma circonscription. Et nous sommes en train d'effectuer l'investissement le plus important depuis des années dans ce secteur. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent pour critiquer le gouvernement en disant qu'il n'y a pas assez d'investissements en matière de transport réalisés par le gouvernement dans la région de Waterloo. Est-ce que le ministre pourrait nous donner des détails à cet égard? Merci, le ministre. Merci encore à la députée pour sa question. Je peux vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec qui que ce soit qui insinue que nous n'investissons pas suffisamment dans les transports dans la région de Kitchener-Waterloo. Je vais vous donner certains exemples. Par exemple, nous avons déjà commencé la mise en place de certains services entre Kitchener, Waterloo et Toronto. Ce seront des services supplémentaires. Nous avons investi 300 millions de dollars dans un service ferroviaire express. Et d'ici 2016, nous allons également ajouter 2 trains le matin et l'après-midi sur cette ligne. Et pour les députés d'en face, le député de Kitchener-Conestoga et le député de Kitchener-Waterloo, eh bien, rappelez-vous qu'en 2012, 2013 et 2014, vous avez eu l'occasion de voter pour un budget qui, justement, encouragerait de tels investissements. Vous ne l'avez pas fait. Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Merci. Merci. Nouvelle question, le député de Leeds-Grenville. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les gens de Leeds-Grenville ont vu quel était votre plan en matière de vente de bière, et je peux vous dire qu'ils ont pris une cuite un peu, de manière figurée. Et j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de détourner leur attention de la vente au rabais des biens provinciaux. Et c'est l'impression des Ontariens également. Et je peux vous dire que dans les zones rurales, eh bien,
les gens de l'Ontario se sentent abandonnés par le gouvernement. Pourquoi est-ce que les gens de ma circonscription peuvent payer 100 millions de dollars en impôts sur la bière, mais ne se voient pas attribuer l'un des 450 permis qui sont prévus? Réponse, le député d'en face sait très bien que le modèle du Beer Store n'était pas un modèle équitable. Et lorsque Ed Clark s'est penché sur la situation des biens provinciaux dans cette province, il nous a cité cette situation comme exemple de choses que l'on pourrait améliorer. Et donc, il y a eu de nombreuses petites brasseries artisanales qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas vendre leurs produits, qu'ils ne pouvaient pas se permettre de les mettre sur les étagères du Beer Store. Donc, nous sommes en train de régler ce problème. Mais dans ces petites villes rurales, par exemple, s'il y a un épicier ou un magasin agence de la RAO dans cette épicerie, eh bien, c'est un réseau de distribution qui fonctionne déjà très bien. Mais ce que nous voulons éviter, c'est que certaines épiceries ferment à cause de cela. Merci. Complémentaire à la Première ministre. Alors, la réalité, c'est que vos permis, eh bien, ne sont pas attribués à des collectivités qui comptent moins de 30 000 personnes. Et vous savez que ceci exclut la plupart des zones rurales de l'Ontario, telles que ma circonscription, par exemple. Ça veut dire qu'un épicier comme Neil à Wesco ne peut pas prendre de l'expansion parce que, selon vous, il est situé dans une zone qui n'est pas appropriée. Lynn de Lambing, de l'épicerie Kitley à Toledo, est dans la même situation, par exemple. Et si vous étiez vraiment la première ministre de tous les Ontariens, eh bien, vous changeriez ce plafonnement de la population à 30 000 personnes. Est-ce que vous allez enfin permettre aux épiciers de se qualifier sur la base de leur mérite et non de leur code postal? Réponse, ce que le député d'en face dit, c'est qu'il faudrait ouvrir le réseau de distribution complètement et que la bière devrait être disponible partout. Mais soyons prudents, parce que si on observe la situation dans d'autres territoires de compétence où cela a été fait, eh bien, le prix de la bière a augmenté d'à peu près 5 $. Donc nous essayons. Du calme, s'il vous plaît. Merci. La Première ministre. Monsieur le Président, lorsque Ed Clark et son équipe se sont penchés sur le réseau de distribution et qu'ils ont jeté un coup d'œil sur les prix dans d'autres territoires de compétences, ils ont constaté que dans ces territoires de compétences, où on avait mis la bière à disposition partout, eh bien, le prix avait augmenté. Le député de Leeds-Grenville à l'ordre. Et maintenant, vous êtes averti. Nouvelle question, la députée de London Fanshawe. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Dans ma circonscription de London, il y a de nombreux établissements hospitaliers qui sont à la fine pointe de la technologie. Et pourtant, certains de mes commettants me contactent régulièrement en me disant que nombre de personnes âgées à mobilité réduite doivent attendre pendant très longtemps de prendre rendez-vous avec un spécialiste. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi des gens qui vivent tout près d'un établissement hospitalier à la fine pointe de la technologie ne peuvent pas y avoir accès? Merci. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Alors, la députée d'en face sait très bien que nous faisons des investissements très importants dans toute la province pour justement diminuer les temps d'attente pour les opérations chirurgicales. Nous sommes passés, par exemple, en 2003, de la dernière place en la matière à la première place en 2013. Donc je pense vraiment que la députée d'en face devrait reconnaître certains de ces faits importants. Il y a certaines annonces qui ont été faites plus tôt cette semaine concernant sa ville, London. Et bien sûr, cela aura des incidences positives sur les soins aux patients et j'en parlerai au cours de ma réponse à la complémentaire. Alors, cette question s'adresse encore une fois à la Première ministre.
Après avoir dépensé des milliers de dollars de deniers publics sur les scandales de la cybersanté et d'Orange, vous êtes maintenant en train de supprimer des emplois de soins infirmiers partout dans la province. Vous êtes en train de démanteler nos établissements hospitaliers de pointe, brique après brique. Donc c'est vraiment un problème. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi les personnes âgées vulnérables et les familles sont pénalisées à cause de votre mauvaise gestion des deniers publics qui devraient être attribués aux soins de santé? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, ces 10 dernières années, à London en particulier, nous avons augmenté notre financement consacré aux hôpitaux de 272 millions de dollars. Et nous avons également fait des investissements supplémentaires d'à peu près 100 millions de dollars pour diminuer ces temps d'attente. Et nous avons consacré à cette initiative 14 millions de dollars pour le Centre des sciences de la santé de London en particulier. Et donc, j'aimerais vous dire qu'il y a eu un financement attribué à la ville de London pour justement la construction d'un centre de traitement des patients souffrant de problèmes de santé mentale. Et donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour le secteur des dépendances et de la santé mentale. Il va y avoir donc 10 lits qui vont être disponibles pour les patients hospitalisés à court terme. Voilà des investissements importants que nous faisons. Nouvelle question, la députée de Kingston et des Îles. Merci. Ma question s'adresse à la procureure générale. Comme le sait la procureure générale, il est important d'aider les victimes d'actes criminels qui sont des personnes vulnérables, et ceci constitue une priorité pour notre gouvernement depuis toujours. Et je sais qu'il s'agit d'une priorité pour les gens de Kingston et des Îles, et je suis vraiment fière des initiatives prises par le gouvernement en la matière. Et nous avons des visiteurs qui souhaiterait entendre quels sont les services clés fournis à ces personnes victimes d'actes criminels. Merci, la procureure générale. Merci. J'aimerais vraiment remercier la députée de Kingston et des Îles pour cette question très importante, et je sais qu'elle est très, très impliquée dans ce domaine. Et notre gouvernement a toujours été un leader en matière d'aide aux victimes d'actes criminels et va continuer de l'être. Il est important de s'assurer que ces victimes aient accès à des services appropriés en temps et en heure, comme par exemple les interventions d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, davantage de soutien pour les victimes vulnérables, un plan de services personnalisés et des aiguillages vers des services communautaires dont elles pourraient avoir besoin. Donc voilà certains exemples parmi bien d'autres des services qui sont offerts à ces victimes qui en ont grandement besoin. Merci, complémentaire. Ce matin, nous avons honoré nombre d'individus exceptionnels qui s'occupent en première ligne de ces victimes d'actes criminels. Il y a une cérémonie annuelle au cours de laquelle la procureure générale leur décerne des prix et des récompenses afin de reconnaître leur contribution à l'aide à ces victimes d'actes criminels. Et je suis vraiment fière d'une avocate de ma circonscription qui est bien connue pour son travail acharné dans ce domaine, dans toute la province. Est-ce que la procureure générale pourrait nous en dire plus sur ses leaders dans ce domaine? Merci, la procureure générale. Je suis très, très impressionnée de l'engagement de ces personnes qui s'occupent de ces victimes d'actes criminels jour après jour. Ce sont vraiment des leaders communautaires et nous avons accueilli ce matin donc 15 lauréats de ce prix qui ont donc reçu ce prix à cause de leur contribution exceptionnelle à aider donc ces victimes d'actes criminels. Et ils se sont vraiment engagés en la matière et c'est pour cela qu'ils ont été récompensés. J'aimerais dire également qu'il y a un groupe de Sault Ste. Marie qui vraiment s'occupe de manière exceptionnelle aux victimes d'actes criminels de Elliott Lake. Et je me suis rendue chez eux et j'ai vu vraiment à quel point ce service était important pour les victimes et à quel point
Ils étaient dévoués à cette cause et j'aimerais vraiment les remercier et les féliciter de leur travail acharné. Merci. Nouvelle question au député de Bruce Gray-Olson. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Alors, deux fois dans cette chambre cette semaine, vous avez parlé du secteur de la pomme. Et donc, il y a vraiment des problèmes dans ce secteur dont nous avons parlé. Il faut absolument que ce secteur puisse prendre de l'expansion, ce qui permettrait de créer 120 000 emplois à long terme. C'est un secteur qui devrait vraiment être revitalisé. Est-ce que vous allez vous y engager? Merci. Merci. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Monsieur le Président, le problème avec le changement climatique, c'est que cela pose de nombreux problèmes aux agriculteurs. Et nous le savons très bien, c'est pourquoi nous prenons des mesures fortes avec la Californie, le Québec, le Manitoba, la Colombie-Britannique, parce qu'il faut absolument créer de meilleures conditions. Et donc, il faut absolument se rendre compte qu'il y a des enjeux très importants en matière de production agricole dans ce domaine. Et c'est très important et c'est pourquoi la Fédération de l'agriculture de l'Ontario s'est exprimée en faveur du programme d'émissions et de plafonnement des émissions et d'échange des émissions, pardon, parce qu'ils savent à quel point c'est important. Merci, Monsieur le Président. Au ministre, j'en ai assez de vos paroles. Nous essayons aussi de couvrir un de vos gâchis. L'industrie fait face à de grandes pertes et vous offrez que des paroles vides. Monsieur le ministre, si vous êtes sincère, si vous voulez vraiment faire une différence et protéger les milliers d'emplois de cette industrie et vous assurer que les pommes continuent à pousser en Ontario, vous ferez mieux que de simplement pousser de l'air chaud dans l'atmosphère. Monsieur le ministre, vous devriez reconnaître dans le budget nos partenaires en agriculture. Est-ce que l'on peut compter sur le fait que ces gens seront inclus dans le budget afin que nous puissions les aider et aider nos sources de nourriture et d'alimentation. Le ministre. Monsieur le Président, je voudrais prendre une minute ici parce que Don McCabe de la Fédération de l'agricole de l'Ontario est ici aujourd'hui et ils sont là pour une raison. C'est que l'argent qui nous provient de notre stratégie sur les changements climatiques doit être réinvesti dans l'électrification du transport en commun, mais aussi pour aider les agriculteurs de cette façon. C'est quelque chose qui est essentiel. Et Monsieur le Président, le député de l'autre côté fait partie d'un parti que nous ne pouvons comprendre. On ne connaît pas leur position sur les changements climatiques. Ils ne comprennent pas les risques impliqués, Monsieur le Président. Il y a deux jours, le gouvernement fédéral a déposé un budget qui mettait fin à son appui au changement climatique. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Je demande au député de Huron-Bruce et au député de Stormont-Onondaga, Glengarry, de revenir à l'ordre. Député de Nickel Belt. Merci, Monsieur le Président. Ma question pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le ministre de la Santé dit que les soins primaires sont la porte d'entrée de notre système de santé. Je suis entièrement d'accord avec lui. Cependant, nos équipes de soins primaires ont de la difficulté à recruter et à maintenir leur personnel. Il y a beaucoup de gens qui peuvent ouvrir la porte pour les patients. Sous les libéraux, les rémunérations de ces gens ont demeuré bas et ils sont gelés depuis 9 ans. Ça signifie que présentement, un poste sur 9 d'infirmières agréées est vide et les gens doivent donc attendre plus longtemps avant de pouvoir obtenir des soins. Dans ma circonscription, c'est encore pire dans le Nord. Est-ce que le ministre peut donner une raison aux travailleurs de première ligne de rester et de conserver leur poste? Le ministre, il y a des associations et des infirmières qui représentent ces défis et on ne parle pas seulement des infirmières, on parle des autres praticiens. Il y a beaucoup de recrutement et de conservation du personnel qui est difficile. C'est une question à laquelle on essaie de s'attaquer. Si on regarde le journal des débats d'hier, la députée de l'autre côté
dit qu'elle veut... Je voudrais peut-être l'aider à corriger son compte-rendu, où elle dit que l'hôpital de Sudbury fait une compression de 43 postes. Le Centre de sciences du Nord a confirmé, M. le Président, qu'aucune infirmière ne perdra son emploi. En fait, aucune des mesures d'efficacité ne devrait avoir comme résultat une perte d'emploi chez les infirmières à cet hôpital. Je vais le continuer dans la complémentaire. La députée complémentaire. Nos équipes de soins primaires essaient de faire en sorte que les familles demeurent saines et nos patients les adorent. Le gouvernement refuse de reconnaître les travailleurs de la santé pour le bon travail qu'ils font et il refuse d'essayer d'attirer plus de talents au secteur de soins primaires. Les infirmières qui travaillent à ce niveau sont les troisièmes moins bien payées au pays. Et donc, si on continue à diminuer leur salaire, à ne pas les augmenter, nous aurons encore plus de difficultés à les recruter. Monsieur le ministre, vous pouvez résoudre le problème immédiatement. Est-ce que le ministre va agir maintenant afin de recruter et de maintenir les professionnels de la santé dans les équipes de santé primaire, de soins primaires, ou est-ce que ce sera une autre promesse vide? Le ministre, Monsieur le Président, avant de prendre le pouvoir, il n'y avait aucune infirmière agréée dans les cliniques. Maintenant, nous en avons 25 à travers la province. Mais si on revient au Centre de sciences du Nord, dit qu'il n'y a aucune infirmière qui quittera le système et qu'il y a 44 postes libres pour les infirmières agréées et les infirmières praticiennes. La députée aura l'occasion de corriger son rapport, son compte rendu. 20 % du personnel en génétique à Lake Ridge l'a dit qu'ils perdaient leur emploi. En fait, l'hôpital est dit exactement le contraire, que les soins aux patients seront améliorés parce qu'il y a une meilleure technologie, une meilleure façon d'avoir des tests, de meilleurs résultats. Les trois individus dont elle parle ont toujours des emplois, Monsieur le Président. Député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Le secteur minier de l'Ontario emploie 27 000 Ontariens de façon directe et appuie 50 000 emplois à travers ses activités économiques. Nous avons un excellent bilan, le meilleur au Canada, avec 10,7 milliards de dollars qui contribuent à notre économie de cette industrie. De toute évidence, les Ontariens bénéficient grandement des capacités et du bon travail des hommes et des femmes qui travaillent dans nos mines. En 2013, Monsieur le Président, le ministère a amené le groupe consultatif pour amener des façons d'améliorer la sécurité du travail dans ce secteur. Le groupe a maintenant terminé son travail. Est-ce que le ministre peut nous donner les résultats de cette étude? Le ministre du Travail, je serai très heureux de le faire, Monsieur le Président, et je remercie le député pour son excellente question. J'ai été heureux de me joindre au député de Sudbury ainsi que le directeur de la prévention de l'Ontario pour parler des recommandations qui nous ont été faites par le groupe consultatif sur la prudence dans le secteur minier. Ce gouvernement accepte chacune de ces recommandations. Certaines des recommandations finales seront mises en place par les employeurs. Il y aura des plans qui devront être élaborés et mis en place afin de conjuguer, entre autres, avec l'activité sismique. Nous devrons aussi avoir une évaluation des risques qui soit faite à chaque année. Et il y aura aussi une recommandation qui a trait aux maladies liées au travail. Ça nous permettra de faire en sorte que les mines en Ontario soient le plus sécuritaires possible. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. La communauté minière de l'Ontario sera heureuse de savoir que le gouvernement fait en sorte que la santé et sécurité des mines en Ontario soit une priorité. Je comprends que la conférence sur la santé et sécurité dans les mines a tenu des discussions concernant ce rapport. Et, Monsieur le Président, l'annonce a été bien reçue aussi par toutes les parties prenantes, entre autres dans ma communauté de Sudbury.
Monsieur le Président, au ministre du Travail, est-ce qu'il peut souligner quelques commentaires qui ont été faits en ce qui concerne le rapport final du groupe consultatif sur la sécurité minière? Le ministre, le député a absolument raison. Le rapport reçoit des compliments partout à travers le secteur minier et dans les groupes de travail. Laissez-moi lire quelques citations de Wendy Frem, la mère d'un jeune homme qui a été tué de façon tragique dans un accident minier. Elle dit « Je suis heureuse que le gouvernement ait écouté la communauté minière qui prenne des actions en place afin d'agir. » De United Steelworker, John Michael, qui dit « La vie des hommes et des femmes qui travaillent dans les mines et dans l'industrie minière en Ontario dépend de l'amélioration des recommandations. » John Caldwell de l'Association minière de l'Ontario dit que nous voulons qu'il n'y ait aucun accident dans notre secteur minier. Nous avons accepté ce rapport. Nous travaillons avec le secteur minier afin que les mines soient plus sécuritaires. Ça vient aussi de Valley, de Mme Wendy Wilson. C'est ce qui est dit concernant cette excellente étude qui est fondée sur le bon travail de tout le monde aujourd'hui. Député de Prince-Laurie-Hastings, nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Lundi, la Cour d'appel a décidé contre votre ministère et en faveur du comté de Prince-Édouard afin d'empêcher une usine d'éolienne de détruire l'écosystème du comté de Prince-Édouard. L'opinion de la Cour dit que le tribunal des révisions avait raison d'utiliser des experts et que le projet aurait des impacts irréversibles sur l'écosystème. Et c'est ce que nous disons depuis 2013. Ferez-vous la bonne chose dans ce cas? Et allez-vous épargner les tortues? Allez-vous épargner le comté de Prince-Édouard? Et allez-vous empêcher votre ministère de perdre encore plus d'argent? Et aller contre GP Incorporated. Le ministre. Monsieur le Président, j'aime bien les tortues qui se trouvent dans cet écosystème et je remercie les gens de votre circonscription pour leur défense de l'écosystème et des tortues de Blanding. Ce ministre respecte l'environnement et remercie l'opinion des gens et nous respectons le processus. Je ne peux faire de commentaires en détail étant donné mon rôle. Je crois que le député le sait. Il y a certaines restrictions qui s'appliquent. Cependant, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je serais très heureux de vous rencontrer parce qu'il y a d'autres problèmes de biodiversité et de changement climatique. On parle de pesticides neurotoxiques, des problèmes dans nos eaux. Et ces problèmes sont de plus en plus graves. Il y a d'autres inquiétudes environnementales que nous partageons. Complémentaires. Monsieur le Président, on ne parle pas ici d'un autre groupe communautaire qui est contre un projet, bien que nous apprécions que vous remerciez leurs efforts. L'un des partis qui s'est joint à nous à Prince-Édouard était Nature Canada. Le ministre sait depuis longtemps que c'est un projet qui affectera l'écosystème du comté de Prince-Édouard et il s'est engagé à utiliser les ressources des contribuables pour aider les promoteurs à détruire un écosystème. Vos propres experts dans le tribunal environnemental ainsi que la Cour d'appel vous disent que ce projet détruira l'environnement. Allez-vous vous engager aujourd'hui à ce que le ministère de l'Environnement ne dépense pas plus de ressources des contribuables afin d'aider les prometteurs pour détruire cet environnement? Est-ce que vous allez vous engager à le faire? Nous voulons que vous arrêtiez le jeu de coquilles et que vous vous occupiez de cette question. Le ministre. Monsieur le Président, le rôle du ministre de l'Environnement est la fin d'un processus adjudicatif judiciaire et je ne peux commenter de façon spécifique. Cependant, de dire que je ne m'inquiète pas de ce processus, c'est faux. Et comme je l'ai dit plus tôt, je décrirai la situation dans laquelle on se trouve ici, dans la planète, comme une crise de la biodiversité.
Nous allons perdre près d'un tiers de nos espèces sur cette planète et c'est quelque chose de très sérieux. On parle aux agriculteurs, aux gens qui ont des chalets, ils voient qu'il y a des problèmes. Monsieur le Président, je ne peux pas parler du fond de la question, mais je crois que le député est sincère dans ses inquiétudes ainsi que ses commettants et je serais heureux de le rencontrer de façon privée afin de discuter de la question avec lui. J'aimerais donner plus, mais je ne peux sans compromettre ma position. Selon le règlement 38A, le député de Leeds-Granville a fait part de sa dissatisfaction avec la réponse qu'il a reçue de la première ministre. Nous en discuterons à 18h mardi. Le ministre de la Formation, des Collèges et Universités rappelle au règlement. C'est un privilège pour moi d'accueillir un ancien enseignant de l'école secondaire qui m'a fait l'école. Il est accompagné ici de sa petite fille. Il y a aussi M. Charabassio qui est ici. Je ne crois pas qu'il va me regarder non plus. Il n'y a pas de vote différé. La Chambre est ajournée jusqu'à 13h cet après-midi.